Bonjour les amis, c'est le Steph et on se retrouve pour la suite du Let's Play sur This War of Mine. Alors, dernier épisode, on avait fait 3 jours, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. Ce qui fait que maintenant, on est sur des jours impairs. Donc maintenant, fin de l'épisode, devrait se terminer non pas au jour 30, comme on aurait dû faire l'épisode précédent. D'ailleurs, du coup, on a fini au niveau... au jour 31, putain, je me complique la vie à vous raconter ça, on s'en fout en fait. Enfin bon, bref, là, du coup, on va finir au jour 33, si mes calculs sont bons. Dernier épisode, on avait chopé des balles, donc ce qui est très très bien. Des composants également. Et qu'est-ce qui se passe? On a de la bio, besoin de beaucoup de repos, alors toi, tu vas aller tout de suite te coucher. Parce que t'as fait deux... Alors, vous vous rappelez peut-être pas, mais il a fait deux nuits de suite, le pauvre... Ouais, il a volé, voilà, etc. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il est blessé et il a très faim, donc il va juste aller manger une conserve, parce que j'ai pas envie qu'il fasse à manger. J'ai peur que ça le fatigue, donc il va aller, hop, en haut. Il va se soigner de ceci et il va redescendre. Il va falloir aussi, également... mettre un peu de feu, parce qu'il fait que 7 degrés. Et j'ai bien peur qu'on puisse pas construire grand chose aujourd'hui. On va quand même vérifier. Ce qu'il faudra, ce sera aller rechercher des... rechercher des médicaments. Ou réussir enfin en crafter, ce qui serait incroyable. Allez, toi tu descends. Tac. Toi, tu vas mettre du feu à mort, on se dérange pas. On va quand même aller voir ce qu'on peut faire. Légère blessure. C'est peut-être elle qui ira. En même temps, j'aimerais bien... on commence à pouvoir faire des choses, hein. On commence à ressembler à quelque chose. Ce qui m'intéresserait toujours, c'est ça. On est encore loin de pouvoir le faire. Au niveau du rat, on n'a rien. Je vais aller monter... vu qu'on est là, on va regarder ce qu'on peut faire ici. Et je pense que ce sera encore Pavl qui va partir. On va essayer de le faire se reposer toute la journée, voir ce qui peut se passer. Ok, donc impossible de crafter ici, on va monter. Allez, cocotte. Alors, et la nuit sera courte car j'ai déjà décidé d'où est-ce qu'on allait aller. Il n'y a plus de clopes. On peut refaire des cigarettes, je pense. Je pense qu'on va retourner au même endroit, en fait, que la dernière fois. Parce qu'on a trouvé plein de matos. La nuit sera courte, du coup. Parce que tout est déjà rangé. Non. Ça m'intéresse pas tant que ça. Ça, il me faudrait du tabac. Bon, on va faire ça. Ah oui, non, ça utilise ça. Ça aussi. Putain. C'est horrible. Je crois qu'elle va se passer de cigarettes. J'ai vraiment envie de faire des économies sur les composants ici. Je crois que la nuit va être très très courte. Hein. Enfin, la journée va être très courte sur le coup. On va aller se reposer. On va passer la journée. Peut-être un petit tour par là quand même. Petit tour par la radio. Elle va courir. Comment ça, une façon de se chauffer? Il fait 14. Hé, hey, poulette, tu te calmes, hein. D'accord, faites attention au groupe de pilleurs qui errent dans la ville. Donc cette nuit, il y aura probablement une attaque. Les températures sont encore très basses dans la ville assiégée par de Pogoren. Le bois à brûler se fait rare et les gens récupèrent tout ce qui se brûle. Ça, d'accord. Ok. Bon, très bien. Ce qui serait judicieux, ce serait de se crafter une hache. Au niveau du bois, est-ce que c'est nécessaire tout de suite? Honnêtement. On a encore 6, on peut tenir facilement 2 jours. Donc on va remettre une bûche ici, histoire d'avoir bien chaud. Tac. Et qu'est-ce que je voulais faire? On va se reposer. Allez, vas-y, cours. Et on va passer la journée. Hop là. Alors, Pavl, vous avez vu, il a pu se reposer. Donc c'est très très bien.
Faim, légèrement malade. Bon, toi tu vas monter la garde, toi tu vas sortir. Toi tu vas dormir. Et on va retourner sur la maison mitoyenne comme au dernier épisode, ça va être très rapide. On a besoin de rien. Et c'est parti. On a 19 balles. Regardez, on a 19 balles, on est bien, les gens ont de quoi se défendre à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si on peut encore trouver des nouveaux personnages, j'aimerais bien un quatrième. Parce que c'est vrai qu'on avait quand même plus de facilité quand on était 4. Toi tu vas courir. Hop là. Alors je pourrais aller tout à fait au bout et essayer de crocheter des trucs. J'aurais peut-être dû venir d'ailleurs avec de quoi crocheter, au moins essayer. Mais en fait ici il y a énormément de choses à attraper. Gardez ça. Là il y a de quoi prendre des choses. Hein. On a 5 cigarettes ici, on va les prendre. On a de quoi se soigner. Beaucoup de bois. On va les prendre. Voilà. De quoi se nourrir. De quoi faire je ne sais quoi. D'ailleurs. Je sais pas trop quoi prendre en fait. Ça. Et ça. Et voilà. Allez, on s'en va. Comme prévu, courte nuit. Hop. Allez, Pavel. Bon, j'ai pas trop peur parce qu'on est bien armé, on a quelqu'un qui défend, qui est plutôt en bon état. Maintenant, être juste malade, c'est limite un état normal. En plein hiver, là. Alors. Aucun problème. Parfait. Alors, comment ils sont tous? Toi, t'as très faim. Toi, t'es comment? Légère blessure en voie de rétablissement. Ah, c'était trop tard. Le siège était établi, nous étions déjà isolés et tous les trajets dans ma ville étaient annulés. De toute façon, il était légalement trop tard pour faire quoi que ce soit pour mon ami. J'aurais dû y penser avant de lui donner un faux sentiment de sécurité. J'ignore ce qui lui est arrivé, je ne le saurais probablement jamais, mais je crains le pire. J'ai pas trop suivi son histoire, on peut le dire. Lui, il va quand même monter faire à manger. Parce que des gens ont faim. Triste besoin de repos. Toi, tu vas aller chercher ça. Paf, t'as très faim, donc tu vas pas manger tout de suite. Tu vas aller mettre du bois, tiens. En gros, j'ai l'impression qu'on doit en mettre 4 par jour. Alors, on va pouvoir faire ça. Il a faim lui. Non, il va juste aller se reposer après. Tac. Toi, tu vas aller manger un bout. Toi, tu vas aller replacer une tomate pour acheter du rat. Acheter. Dernière tomate. À la limite, c'est pas très grave. Elle va se reposer également. Ah non, elle va manger. Voilà, j'ai l'impression qu'on arrive à un point du jeu. Oh. Oh, c'est la mère qu'on a sauvée. Attendez. Pavel, vas-y. C'est la mère qu'on a sauvée. Vous vous rappelez les deux gamins? On les a aidés deux fois à aider leur mère. Je pense que ça doit être sa mère, là. Il y avait deux enfants. Qu'est-ce qui est devenu la petite? Ah, elle est là, regardez. Merci pour votre aide. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je préfère ne pas penser à ce qui serait arrivé à mes enfants si vous ne m'aviez pas aidé. Nous n'avons pas grand-chose, mais j'ai mis du café de côté pour mon mari. Il adore ça, mais il n'est pas rentré à la maison depuis longtemps. Il est quelque part en train de combattre. Qui sait quand il reviendra? Pourquoi ne le prendriez-vous pas? Alors, je pense qu'on va lui laisser son café, parce qu'on n'en a pas besoin, on n'a personne qui boit du café. Au mieux, on pourrait le vendre. Je pense que ça va peut-être pouvoir faire un petit boost. J'en sais rien, en fait. Mais je pense qu'on pourra faire un petit boost de morale à tout le monde. Ce qui est pas mal, j'ai vu des gens tristes. Donc on va refuser.
Voilà. Et j'espère que ça va améliorer la bio. Là, c'est un test hein, que je fais. J'ai peut-être fait une connerie là. Je dis pas. Toi, tu vas aller te reposer. Bah, de toute manière, on peut rien crafter. Hein. Il n'y a pas de secret. Je crois qu'on va encore passer la nuit. Ah, peut-être pouvoir revenir à un nombre pair de nuit. Génial. Allez. Allez, tu vas te coucher toi aussi. Je sais pas c'est quoi ton lit, tu vas aller là. Hop. On va retourner au même endroit. Cette fois-ci, on va prendre des armes et de quoi crocheter. J'ai bien envie de vider le coin où on n'a pas été. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? On retourne au même endroit. Ouais, maison mitoyenne. Alors qu'est-ce qu'on a? Afin et triste, donc tu vas y retourner, mon ami. Ah, ils sont tous blessés. Hein. Est-ce que c'est nécessaire que je leur mette des bandages? J'ai peur que ce soit vraiment exagéré, en fait. Cette fois-ci, on va prendre ceci. Est-ce qu'on prend une arme? Je pense que c'est pas nécessaire. Allez. Au pire, si je me dégonfle au bout, j'ai toujours des trucs à prendre ici, là. Allez, cours, Pavel. Hop là. Non, 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 par là. Remarquez que ça peut être intéressant de passer par là. Qu'est-ce qu'il nous vend, le gars ? Ah, ça, ça nous intéresse. On va essayer de voler des trucs et de lui revendre derrière. Voir ce que ça peut faire. Allez, bon, on va voir. Ah bon, pardon, 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 je referme. On s'en va, on va passer. On va faire le tour finalement. Allez, cours. Ah, il a ouvert la porte, le con. Ok. Donc le mec est malin. Il a vu que je voulais rentrer. On va devoir y aller discrètement. C'est là où je regrette le café, où j'aurais peut-être dû accepter pour faire un échange ici. Alors, voyons voir. Je sais plus si j'avais tout pris ici. Déjà, clairement, il manque des trucs ici que j'ai pas pris. Ah ah, alors, super. Ça, c'est nécessaire. Une balle, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Prendre le maximum et on va s'en aller pour faire des allers-retours un petit peu. Très bien. Donc j'ai eu un peu de composants. Est-ce que ça l'alerte ça? Non. On va pouvoir courir en dessous. Donc un petit peu de composants, pas encore assez malheureusement pour faire notre bon dieu de porte. En même temps, non, ça on va le garder. En même temps, on réussit quand même à bien se débrouiller avec les armes qu'on a. Mais je pense que le jour où ils réussiront à passer, on va s'en mordre les doigts en fait. Quelqu'un.
Oula, il arrive. Je passe par là. Hop. Je pense qu'il va aller là. C'est bon. J'aimerais éviter de le tuer pour bien faire. Voilà, ça en fait un de moins ici, mais... lui. Ah, attendez, on va dézoomer parce que faut que je puisse voir partout. Il est là. Mais ils sont combien là? Non, c'est bon, je vais pouvoir passer. Il part par là. Ça va être la course pour partir. Hein. Regardez, j'ai déjà presque plus de temps. Il va falloir que je traverse des gens. La porte est fermée. Allez, on passe. Allez, on laisse ouvert. On va juste aller là-dedans. Et on va partir. Ou alors, est-ce qu'on joue et on essaye d'aller un peu en haut? Alors ça, c'est nécessaire. Oh oui. Je pense qu'on a assez. Alors, qu'est-ce qu'on prend? je sais pas, du bois un peu. Des cigarettes. Ça. Un peu d'eau. J'avoue que je sais pas trop quoi prendre. Hein. Prendre de l'alcool. Allez, on se casse. Non, 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 non. D'accord, je m'en vais. Pardon, salut. Voilà, comme ça on va pouvoir faire un petit peu le tri sur ce qu'on ramène. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah! Non, cours! Ok. Je crois qu'il m'a raté. Je crois qu'il m'a raté. Tout va bien. Les jours de grand froid sont terminés. Ouh ! Oh, je pense qu'on va se faire une dernière jour-nuit. parce que la première nuit était rapide. Oh, je suis content. Oh, on va plus être emmerdé avec le bois. Ils vont être un peu moins malades. Ah, c'est bien, l'hiver se termine assez vite, je suis content. Jour 37. Toi, t'es comment ? À très faim. Bon, tu as commencé par faire à manger. Alors, j'ai pas de quoi faire non plus des quantités phénoménales. On sera toujours ça de prix. Toi, t'as juste faim, tu vas aller te coucher. La petite nana, elle va rester là, à rien faire. Je pense que lui, on va lui donner. Est-ce qu'on lui donne du bandage? Ça me gêne qu'il ait de légères blessures comme ça. Bon, ça, il fait froid, il fait 14 degrés. Tu te calmes, Bruno. Ça suffit. On a de l'alcool. On va voir si on peut pas crafter donc cette bon dieu de porte. Dès qu'on aura pris le rat.
Ouais, je sais que t'as besoin de repos, mais malheureusement, ouais, je crois que ça va peut-être être Arika là. Alors, je pense qu'on va mettre ça, on en gagne deux, c'est toujours ça de gagner. J'ai malheureusement pas de tomates. Oh, hey, ça va, hein. Pavel, c'est grâce à lui qu'on mange. Hein. T'es gentil. Allez, toi tu te lèves. On m'a arrêté un petit peu. Des choses à échanger. Ah, bien. Alors attendez, c'est le moment de regarder un petit peu ce qu'on a là. Est-ce qu'on peut faire... Oh, oui. On peut faire la porte. Qu'on va faire tout de suite. On regardera ce qu'on peut échanger après. Une heure, ça va. Une heure pour la faire, j'ai vu. Attends deux secondes, je change la serrure et j'ouvre. Oh, c'est une bien belle porte. Alors. Oui, alors c'est bon, hein, tu te calmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? nous avons... Alors, on n'a plus du tout de matériaux, donc clairement, hein, tout ça, on veut. On a beaucoup de conserves, qu'on peut donc vendre. Je crois qu'on avait pris de l'alcool, ça aussi, ça se vend bien. Est-ce qu'on a beaucoup d'eau? Non. Donc ça, on va le garder. Alors, on est parti sur la vente de bouffe. Voilà, c'est pas mal. Et on va essayer de récupérer ça du coup. Très bien. Est-ce que je peux prendre d'autres? Ça, ce serait pas mal. Ou ça. Ou des balles. Je sais combien de balles. 19 balles, c'est peut-être pas nécessaire. On va peut-être se concentrer sur l'eau, ça peut être intéressant. On va continuer à échanger, j'ai l'impression que les conserves se vendent très très bien. Du coup on va vraiment pas se gêner. Parce que je suis vraiment pas en difficulté au niveau de... Au niveau de la bouffe. On va prendre des armes, parce que c'est toujours utile et que c'est assez compliqué de les porter en fait. Ça prend pas mal de place. Parce que je les trouve par groupe de 1 ou 2, donc c'est pas terrible. Au niveau du bois, j'en ai pas mal mais bon. Pareil, c'est très galère à porter. Ceci dit... Attendez. Je vais prendre un bandage. Je peux avoir quelques balles avec. Je crois qu'on va rester là. Tac. Allez, merci. Qu'est-ce que je pourrais crafter d'autre maintenant que j'ai fait ça? Montre-moi un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ça, pour faire de l'alcool d'ailleurs que je viens de vendre. mais ça pourrait être intéressant effectivement. Ici, est-ce que je peux améliorer ça? Je ne peux pas. Je pense qu'on va crafter ce truc là pour avoir une espèce de distillerie, parce que j'aurais dû faire ça en premier, hein, clairement, hein, j'avais fait l'distillateur d'alcool en premier. Il faut d'abord le distillateur. Donc on va le mettre là. Et là je ne crains assez peu maintenant les attaques, hein. Je pense qu'on peut pas améliorer plus au niveau de nos défenses, là on est quand même vraiment pas mal. Calme avec Pavel. Pavel, c'est le seul qui est au point pour marcher. Tiens, d'ailleurs, il est là. Il va peut-être venir bosser au lieu de toi. Toi, tu vas aller te reposer. On va remettre un feu.
13 degrés, c'est pas mal, je pense. Alors, comment ça marche? On met du sucre. Ah, bah voilà. D'accord, il faut du sucre. Et on gagne de l'alcool de contrebande. D'accord. Et ici, avec l'alcool de contrebande, on fait de l'alcool pur. Et avec l'alcool pur, on va aller faire d'autres trucs. Bon, les amis, je pense qu'on va passer à la nuit. Je pense vraiment pas que je puisse faire grand-chose de plus. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Comme si la guerre ne suffisait pas, la criminalité augmente dans la ville de Pogoren. Des rapports font état d'attaques armées et de cambriolages. On est plutôt bien pour ça, comme je disais. Les légumes frais deviennent une horreur rare à Pogoren. D'après notre analyse, leur prix va augmenter progressivement. Mais j'aimerais bien faire des légumes, mais en fait, je sais juste pas les faire. Je pensais que c'était ce truc-là. Il va peut-être falloir que j'augmente ça, en fait, pour faire des légumes. Ouais. J'aurais peut-être pas dû faire la distillerie, en fait. Ah, tant pis. Du coup, il va me falloir à nouveau des composants. Et on va terminer la journée, on va aller les chercher si possible. Je sais pas où on va aller. On a tout visité. 100%, 42%. Chantier de construction, 7%. Cela devenait un grand quartier résidentiel de luxe. Il y avait un grand battage publicitaire autour des appartements, mais les sub-promoteurs ont fui à l'étranger quand la guerre a commencé. Récemment, l'armée a repris le contrôle de cette zone aux rebelles. Oui. Ouais, donc là, on peut tomber sur des militaires. Alors, on va y aller. On va prendre un risque encore. Il faut, des fois. Toi, t'as déjà monté la garde la dernière fois, donc ce sera à son tour. Qui sont toujours un peu blessés. Et cette fois-ci, on va y aller avec des armes. Des armes à feu, je veux dire. Des vraies armes. Ça. Ça. De quoi crocheter au cas où. Alors ça fait peu, hein. Mais je pense que là, il faut assurer un peu. J'étais même à deux doigts de prendre le casque. Mais il faut quand même un petit peu de place dans les... On n'est jamais venu ici. Attendez, on n'est jamais venu ici. J'ai vu 7%. Bon, ça me parle pas. Ça, on va laisser. On a du bois, c'est bien. Ça vous parle? Ah oui! Oh oui! Oh là là, non! Oh, c'est là où était mort Marco! Bah, j'ai bien fait. Eh oui, c'est là où est mort Marco. On va y aller, on est armé, on a un fusil d'assaut. Je crois qu'ici on avait un petit peu... quelque chose bloque, c'est ça. On peut se cacher. De toute manière, faut monter. Je peux pas descendre. Et là, ça doit être là où... Et oui, c'est là où est mort Marco, donc on va pouvoir récupérer sur son cadavre. Je le fouille avant même de regarder ce qu'il a. Tout ça, on va pouvoir le ranger. Ah bah tiens, regardez, quand je parlais de casque. Qu'est-ce qu'ils disent là? C'est le corps de Marco. Il fut un temps où il sauvait des gens. Aujourd'hui, le voilà étendu mort et abandonné. Il méritait pas ça. Ah, c'est triste. Je crois qu'on avait déjà lu ça, donc du coup on va juste faire des allers-retours vite fait à l'entrée. C'est un peu galère. On n'a pas le choix. Bon, je vous ai fait l'impasse sur les allers-retours. Globalement j'ai récupéré juste tout ce qu'il y avait sur Marco. J'ai pas entendu de gens pour l'instant, donc je sais pas, peut-être que le coin est libre. Pour l'instant, on va en profiter pour avancer tranquillement. Je m'étais fait tuer quand j'avais commencé à aller par là la dernière fois. On va y aller. On va se dépêcher un peu parce que mine de rien, on est déjà à la moitié de la nuit. Par contre, on va pouvoir faire des trucs. On va péter.
c'était ça. Mais attendez. Moi je voulais aller là. Oh la vache, faut que je fasse tout le tour. Putain, il y a des trous partout. Ok. Faut que je monte tout en haut. Faut que j'aille là en fait. Et le temps passe. Ça. Bien. On peut courir parce que je pense qu'il y a personne. Bien. Super, une guitare, je voulais ça. On va continuer à avancer juste pour visiter pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ça. Oh. Bien. Qu'est-ce qu'on va laisser? Ça. Ça, c'est plus important. Descendre un petit peu, voir ce qu'il y a un peu par là. Je pense qu'on n'aura probablement pas le temps de continuer. Parce que j'ai tout le grand tour à faire en fait pour revenir ici, donc c'est pas évident. À 8, ça c'est pas très nécessaire. Je sais toujours pas faire d'armes. Allez go. On va péter ça. Ah ça c'est un bon plan. On va péter ça la prochaine fois, on pourra faire y aller avec un raccourci. Non, mais non, non. Mais non. Bon. Putain. Je voulais passer par là. Bordel. Et là je peux pas passer ici. Bah non, forcément. Bon les amis, on va s'arrêter là, on n'aura pas le temps de manière d'aller refaire le tour là-bas. Je pense qu'on retournera ici, il n'y a pas trop le choix de toute manière. Qu'est-ce qu'on va laisser? Honnêtement, les outils de crochetage, c'est pas forcément nécessaire tout de suite. On les récupérera justement sur le chemin la prochaine fois. Oui, on retournera ici la prochaine fois. Du coup, on va laisser tout le matos là. Ça va être bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, tout ce qui est nécessaire. On a de l'alcool, ça se vend bien. Écoute, on va prendre du bois, je vois pas trop quoi prendre d'autre de toute manière. Et on s'en va vers la sortie. Et qu'est-ce qui s'est passé chez nous? J'ai pas peur. J'ai pas peur. On a fait notre porte. J'ai laissé une arme et des balles. Et... Attention, suspense. Nous avons été pillés. Ah. Quelqu'un a essayé de nous voler. C'était un groupe de durs à cuire, mais nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Aucun d'entre nous n'a été blessé. Les agresseurs n'ont rien volé. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes. Bon, bah, une fois de plus, on s'en est plutôt bien sorti. Écoutez, les amis, je vous fais tous des gros bisous. Merci de me suivre sur cette série. Bah, écoutez, bah, à la prochaine, hein. Allez, ciao. Bye bye. Alors on dirait pas, mais c'est pas un boss. Oh putain. Ouah. Quand je vous dis que c'est compliqué. Allez. Qu'est-ce que je disais? Vache. Oui, donc je pourrais m'arrêter déjà de vous faire la vidéo parce qu'on a fait le tour, hein, clairement. Histoire que vous voyez un petit peu ce qu'on peut... Comment on peut souffrir dans ce jeu. Allez. Allez, qu'est-ce qui va tomber là? Ça va.